crisis. We are living and fighting. We are living in one of the best country of the world, a rich country of the world, and we cannot pay our hydro bill. It is not acceptable, please. Thank you. Here we are in front of Minister Alcon's office. We would like to have a meeting with Mr. Alcon. And Isabel is our representative. They are trying to tell her that she cannot go in. Isabel, est-ce que tu peux rentrer? All right. Isabel, we support you. Yeah. All the participants, now we are gathering here for reducing the Hydro-Québec bill, because the Hydro-Québec authorities, they are increasing their bill day by day. And that is why the people of this Montreal, they are day by day becoming poor and they are facing with the poverty. And that is why we the people, we are assembled here before the Ministry of Energy of this Montreal. Yeah. And that is why we are demanding ourselves for the poor people, for the middle class, our Justin Trudeau, Honorable Prime Minister, when the election was held at that time, he told us, told the people of Canada that he will change the middle class, he will change the poor class. Yeah. And now the time of this government, and he is our Honorable Prime Minister, and we want to say our electric bill, our Hydro-Québec bill is day by day rising. Yeah. Our housing rent and price commodities day by day going high. Yeah. And that is why we the people, we are the middle class people, we are the poor people of this country. We are very unable to participate this bill, and that is why we are demonstrating before the Hydro-Québec and the Energy Ministry. We are just demanding. We don't afford our bills, and that is why you reduce our bills. And that is why we are coming here. We are demanding, and everybody, we are demanding for reducing the bill. Now, my friend is telling about this. Bonjour tout le monde. M'entendez bien? Ah, moi, c'est Sylvain, je suis de la Sève du Nord de Montréal. Je connais Isabelle, que vous connaissez bien. Alors, je ne vais pas trop répéter ce qui s'est dit, mais on m'a demandé de parler un peu des hausses. Alors, ce qu'on a à dire, comme vous le savez, puis vous le vivez dans vos logements, fait que je ne reviendrai pas là-dessus, vous savez très bien ce que c'est que vivre avec les augmentations de tarifs. Mais c'est 11% d'augmentation ces 4 dernières années qu'on a eues. C'est pas mal plus que l'inflation. Cette année, on nous dit que c'est juste 0,7. On nous dit que c'est juste 0,7 cette année, c'est pas grand-chose. Mais ce que nous, on a calculé avec notre association, avec notre groupement, c'est que dans le fond, ce qu'on a dû avoir cette année, c'est une baisse des tarifs. Hein? Parce que ça peut arriver aussi que la Régie de l'énergie puisse statuer qu'à des baisses si elle faisait sa job qu'elle est supposée de la faire selon la loi. Yes. Ben, c'est pas ça qu'on voit depuis quelques années. Yes. Ce qu'on voit, c'est une Régie qui, de toute façon, plus écouter les grandes lignes que le gouvernement y donne par la bande dans les médias. Et en autant qu'on n'augmente pas plus que l'inflation, c'est correct. Ben, c'est de la bullshit, ça. OK? La Régie a statué d'augmenter juste à 0,7, elle a aussi augmenté moins les entreprises. En plus, dans le budget du gouvernement libéral de l'État, il a encore accordé des
des primes puis des bonnies aux entreprises. Ça fait plein de cadeaux qu'on leur donne par plein de moyens, mais aussi par Hydro-Québec. Pendant ce temps-là, nous, ils augmentent notre facture, même quand ils ne devraient pas le faire. C'est pour ça qu'on dénonce ces hausses-là. Si on appliquait simplement la logique, tu sais, le 1,2% ne l'a pas inventé, là. On a pris les propres chiffres et la loi que devrait faire appliquer la Régie de l'énergie. Quand on avait demandé ce tribunal-là, il y a maintenant 20 ans, on espérait quelque chose de neuf. Il faut maintenant se poser la question. Fait qu'il y a plein d'acteurs, donc on sent que le gouvernement aussi est hypocrite dans cette histoire-là, parce que en même temps, comme ça a été dit, il dit à Hydro de ne pas trop augmenter, mais en même temps, il vient chercher de plus en plus d'argent. Je pense qu'Isabelle, elle l'a dit, c'est 2,4 milliards sont allés chercher cette année. C'est énormément d'argent, puis là, on peut parler de taxes déguisées. C'est scandaleux. Fait que j'ai juste un dernier mot à dire. Ça fait maintenant un an qu'on a un nouveau président d'Hydro-Québec, M. Éric Martel, qui n'arrête pas de dire qu'il veut redorer le blason d'Hydro-Québec. C'est qu'on soit à nouveau fier de la société d'État. On n'en pas mieux, M. Martel, puis j'adresse aussi la demande à M. Arquet. Sauf que pour qu'on vous convainc, il faut vraiment redonner Hydro-Québec à l'ensemble, à tous les citoyens et citoyennes du Québec, comme c'était avant. Et en bas de ça, ça ne sera pas acceptable. Our brother Sylvain from the SF du Nord, his organization did the numbers. As we said before, they found that Hydro-Québec is giving billions of dollars directly to the Quebec government. This is a tax, a hidden tax, that hurts poor neighborhoods like ours the most because we can't not use electricity. We have to use electricity. We have to keep our families warm in the winter. Park Extension is 90% tenants. We are people who rent, and we don't have a choice. We have bad landlords who keep the conditions of our housing very poor, so we have to spend a lot on electricity. So Sylvain is saying that that money is a hidden tax. It is unfair. If the government needs that money, they can go get it in the taxes the way they're supposed to, which are fairly distributed. And he reminds the minister here, Minister Arcan, who's in charge of Hydro-Québec, and the new president of Hydro-Québec, who's been there for 1 year. When that new president came in, he said he wanted to make Quebecers proud of Hydro-Québec again. Yes. Well, he has a chance right now to make us proud. Yeah. We call on you, Monsieur Arcan, we call on you, Monsieur Martel, the president of Hydro-Québec. Make us proud, listen to the people, cancel the rate hikes. La chose est claire et simple. Nous demandons à Monsieur Arcan de voir qui sont les consommateurs. Il y a les consommateurs archi-riches et les consommateurs pauvres que nous sommes. Alors, quand le prix monte, le courant ne passe plus chez les pauvres, mais ça continue chez les riches. Et pourquoi? Pourquoi seulement nous? Alors, il veut qu'il y ait court-circuit ou bien qu'on ne paye plus pendant que Hydro-Québec est à nous tous. C'est pour nous tous et pour le peuple. Voilà. It just shows how much Quebecers we are and how much Park Extension we are. It's going to rain, it's raining. We came out. Well, this shows Hydro-Québec and the minister how we feel about the raise hike. Yes. Okay? Most of us here are tenants. Yes. If not all. So it just shows that we can come out and the raise hike. Yeah. It should not go by. Because we cannot afford it. Closer to the mic, John. Closer to the mic. They come close to the mic. Yeah. Okay, anyways, like I said before, I'll repeat. It's gonna rain, we came out in the rain. Yeah! Park X, fight for what they want. That's right. I've been around many years of Park X. Yeah. No more price hikes. Anything you gotta fight for it, remember that. Yes. And most of us, all immigrants, most of us. We know how to fight. Yeah! And this gentleman here, who voted in, how we can fight. Yeah! Gentlemen, I'm speaking in Urdu and Punjabi. Yes! We are immigrants, and this is why all are we Quebecers. Our minister is raising the Hydro-Québec bill. But in the other side, we are selling the electricity of the
electricity of the Quebec is low price with the state of US Chicago on 25 cents per unit only, and we are paying near about 50 cents. This is the wrongly. We are poor people, we are senior citizens, we are Himalayan citizens. हम जो हैं इसलिए इकट्ठे हुए हैं yes, yes. कि हमारी जो ये बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं जो हमारे से नाकाबले बर्दाश्त हैं हमें yes. महंगाई इस महंगाई के दौर में जो हर चीज़ महंगी हो रही है उसमें हमें ये रियायत दी जाए कि हमारे बिल ना बढ़ाए जाए हर साल पिछले साल भी इन्होंने बढ़ा दिए थे yes. पिछले साल भी बढ़ाए गए थे जबकि शिकागो में ये बिजली लो रेंट पे बेचते हैं जबकि हम हाई पेमेंट करते हैं इसलिए बेहतर है कि हमारे लिए कुछ रियायत रखी जाए हमें कुछ डिस्काउंट दिया जाए बिल में बजाय इसके डिस्काउंट देने के ये हर साल बढ़ा देते हैं मित्रों तो बढ़ाओ सानू हर साल वखरा ज़्यादा देना पैंदा है बिल क्योंकि असी जड़े ने उतो पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश साउथ एशियन मैक्सिकन सिटीजन नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन सिटीजन वी आर नाउ क्यूबिकर वी आर ऑल इमिग्रेंट वी आर ऑल सानू जरा ना शिकागो च बिजली घट पे रीड दे देने ने सानू वध दे देने ने असीं रिक्वेस्ट करने हैं मिनिस्टर को कि असी जरा है गुरमन शहरी पार्लियामेंट साडा इतिहास है कि साडी ये गौर किया जाए कि साडे बिल जड़े ने वो घट किए जा हर साल बढ़ा लें हेलो टू ऑल एज वी आर रेफ्यूजी हियर वी हैव नो इनकम वी आर ऑन वेलफेयर सो इफ द hydrocubic bill is so high, how we can adjust ourselves, afford ourselves. So we are requesting to the Minister Honorable that please make it low so we can adjust our family and adjust our all the families and children. So as all we are here for requesting to lower the hydrocubic bill. Yeah. Thank you. If one of the Dinis from the tenant rights group can come and talk to us about the condition of the housing. Dini? Dini. Where is Dini? Because we all know that our electricity bills are high because we have bad housing, because the heat is going out the windows, it's going out the walls, yes, yes. going out the doors. Excellent. Good news! We have a meeting! We're sending a delegation of three people to go in and talk to the director of Pierre Arcand's office. Thanks, you, and good luck! Je suis Denis Trépanier du comité d'action de Parc Extension. Bon, vous savez, l'électricité, ça fait partie d'un paquet de choses qu'il faut payer à tous les mois. Moi, je considère ça que ça fait partie du taux d'effort pour se loger. C'est quoi le taux d'effort? C'est le pourcentage de nos revenus qu'on consacre pour se loger. Évidemment, les autorités le considèrent que le prix du loyer. Mais sauf que, ici au Québec, on ne peut pas considérer seulement le prix du loyer, parce qu'il faut aussi chauffer, éclairer, ventiler, internetiser nos logements. Et le prix de l'électricité, ça fait partie du taux d'effort parce qu'on ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, le 1er avril, c'est la journée où le gouvernement du Québec a décidé, avec la Régie de l'énergie, de hausser de 0,7% le prix de l'électricité. Ça, c'est ce qu'on appelle une taxe régressive. Parce que le 0,7% que vous payez, la personne qui a une belle maison
au centre-ville ou en banlieue et qui a un trottoir chauffant pour aller jusqu'à son spa ou sa piscine, elle paye le même 0,7% que nous, alors que nous, on a besoin d'arriver. Ça, c'est sans compter les mauvaises conditions de logement. Évidemment, si tu habites dans un logement social assez neuf, bien construit, bien entretenu, ton prix d'énergie va beaucoup baisser. Alors que si tu habites dans un vieil immeuble où on te le dit, si tu t'en vas, c'est pas grave, il y en a trois autres qui attendent, et où on ne fait pas les réparations, on laisse les gens vivre dans des conditions d'insalubrité terribles, bien, à ce moment-là, ces gens-là, ça leur coûte très cher pour se loger, se chauffer, s'éclairer, etc. Ventiler. Merci. Donc, merci. Donc, merci beaucoup d'être venu et à bientôt. Ouais. Merci, Denis. Assez. J'inviterai maintenant Sylvie à venir prendre la parole. Is there anybody else who would like to come and talk about their living situation in Park Extension? I know there are some people who wanted to tell their own stories of having to pay very, very high hydro bills. Don't be shy. On vous invite, c'est un micro ouvert, it's an open mic. Come on up, you can just say a few words if you want. You don't have to say a whole lot. Don't be shy, we're not gonna judge. Non. Quand vous augmentez le prix, quand vous augmentez la facture, il y aura plus de courant, il y aura court-circuit. Alors comment allons-nous vivre sans frigo, sans réchaud, sans ventilation, sans lumière, pendant qu'il y a certains qui sont en train de réchauffer leur garage. Et nous n'avons que de 1 et 2 demi que nous n'arrivons pas à chauffer et à payer nos factures. Mais nous payons le même pourcentage que eux. Pourquoi ? Le consommateur, il y a deux consommateurs. Il y a un consommateur pauvre, il y a un consommateur riche. Alors il faut qu'il y ait aussi des pourcentages différents pour payer les factures. C'est pourquoi nous demandons à Monsieur le ministre de nous aider que la journée d'aujourd'hui, le 1er avril, que ça ne soit pas un poisson d'avril. Nous demandons à ce qu'il y ait cassure, qu'on ne monte rien et que Hydro-Québec nous dise que sa promesse plutôt était un poisson d'avril. Merci. Merci. So Monsieur Malima reminding us that this is not an April Fool's. We are very serious. We are very serious. And housing is a very serious issue. Denis from the CAP told us that we know that Hydro-Québec is part of a cost associated to housing. And costs associated to housing in Park Extension are very, very high. There are more than the majority of people in Park Extension who are spending more than the majority of their income on rent. We have thousands of families on waiting lists, waiting for decent housing, decent social housing, where the rent does not go up so high every month. We have no action, we have no social housing for years in Park Extension, no units of social housing. So the Hydro-Québec rate issue is also a housing issue in Park X. And I would add that it's also a question for Hydro-Québec of what they're really for, because they're supposed to work for us. Instead of just making electricity and charging us, could they also have a program to insulate our houses? They had a program, and then they gave it to a private company to run who are doing a very bad job. They do not understand Park Extension, they do not speak our languages, they don't do a very good job of insulating either. We need to use that money to help insulate the poor houses where the landlord isn't doing it. And maybe we need stricter rules against bad landlords to force them to insulate their houses. I invite anybody else who hasn't spoken yet. I have so much to say. I'm going to scare the people. Okay, overall, done, des femmes. Would you like to come up?